Azul et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer l'actualité le 12 novembre 2020. Un de l'actualité guénard, l'équipe nationale elle a contre le Zimbabwe. Match la troisième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique. Elle est du Cameroun. Les principaux absents dans le match est l'Atal, Ferres et surtout Ben Lamri. Et à 80%, il est vers le match à Guinée. Il est ménagé pour le prochain match à Réunion dans 4 jours. The Zimbabwe, donc il va être protégé. De notre côté, l'équipe de Zimbabwe est sous-estimée. Il y a quelques joueurs qui ont beaucoup de qualité. Kadewere, qui est un excellent ailier qui peut faire la différence et surtout en contre. Zmerin a la différence, donc il ne faut pas sous-estimer l'équipe de même les joueurs de Zimbabwe, comme quoi ils sont venus pour faire quelque chose, pour faire un bon résultat. L'Algérie qui reste sur une très belle série et qui se rapproche du record absolu de l'Afrique, c'est l'Égypte qui a 24 matchs sans défaite, donc battre le record égyptien identique. C'est un coup de pouce et c'est un point positif et motivant. Et l'équipe nationale, le match est à 20h. La Ligue communique la date, le début du championnat, ça sera le 28. Mais si derrière la compétition africaine, que ce soit le Mouloudia, que ce soit le CRB, la Ligue des champions africaines, les matchs sont avancés quelques jours par rapport à les déplacements et par rapport à les matchs sont la même période que la première journée du championnat. Donc, les matchs qui seront avancés, il y a Aïn Mili à l'écoute de CRB et surtout il y a Mouloudia à l'écoute de Blabès. Mais, elle sera la requête n'est déposée à la FAF. Béchette le système de compétition, recherche des 29 laisses, même si ça va prendre du temps, ou Béchette 20, il a 20 heures. Ça va très très vite et au championnat, il est dans 20 jours. Dans moins de 20 jours, donc il a quand même plus vite, sinon, un championnat à 38 journées. Ça va être difficile de le finir. Ça va être très très difficile de le finir. La GSK, Gualna les entraînements. La GSK, il a récupéré une boule à la côte de Tobali, dit que je mène la côte du groupe. Il y aura le groupe. Nous aurons les attaquants à la GSK ou Lèche. Les attaquants de pointe. Boule à ça va faire du bien. Tobel, ça va faire du bien. Mais surtout, Juma, il a vu la côte du Kenya, la côte du Gmarken. Un joli but, il faut le dire. Il a marqué un joli but la côte du Kenya. Tout d'un coup, nous aurons deux versions. Juma, Juma du Kenya. Écoute, Juma de la GSK, il y a deux versions complètement, voilà, complètement à Youth, elle nous déçoit. Salem est moins 10%, marquer des buts comme ça, pourquoi pas, pourquoi il ne peut pas les faire des championnats avec c'est complètement, voilà. Ils aiment les faire, donc Salem des championnats avec Guinée, ils les différences avec Guinée. Le coup d'un coup, c'est l'adversaire de la GSK, SNCF, ça serait Steve, il avait un match amical, il serait un contre. Mdia match Steve GSK sur la Venice Steve F3 Mdia, ça va être voilà un autre test. Minzara, les matchs amicaux, c'est pas c'est des matchs amicaux. Et les Français sortent 2 à 0 contre la Finlande. Deschamps, c'est un match amical. Il a fait tourner. C'est vrai que un match amical, il faut montrer les erreurs d'Iglande. Si tu vas encore retomber des erreurs d'Iglande et les matchs amicaux et gagner. Donc, c'est bien de faire des matchs amicaux, mais il faut régler les problèmes. Si on continue de jouer des matchs et les erreurs, c'est qu'il y a un autre problème. Voilà. Si un des matchs à Guinée apparaît, il y a un changement positif, ben oui, ça va être très très bien. Mais l'inefficacité de l'attaque, il faut des buteurs et les problèmes défensifs, il faut trouver un axe central. Il te cache où il y a. Voilà, il te cache où il y a. و ايفيدامون لا قن لي ماتش لا قن لي زونترينمون اش غادي كاين بدا ثقل الله فيديو هاكي كي ودنا قيمت ديال هنا مي قاسم دي ثقي بور لو ديبريف لالجيري زيمبابوي طيب.